télévision qui bali yon kokèn popularité sou territoire américain en parlant de Resurrection Boulevard et série télévision à sensation Ugly Betty. Yon série kote li joué comme Papa America Ferrara à côté belle actrice et chanteuse américaine Vanessa Williams. Et bien mes amis, c'est acteur Tony Plana qui invite nous après-midi à Néon Page La Via ici aux États-Unis. That's what I loved about Madeline Mom. She is a very stubborn woman, your mother. Avant nous entrer plus dans la carrière Tony Plana, Nabdi était étudié art dramatique dans l'Académie Royale de Londres pendant plusieurs années. C'est précisément pour raison ça que la première question m'a posé lui dans une conversation nous avons eu face à face dans Studio 45 La Voix de l'Amérique là. C'est pour qui ça ou pas de chercher jouer un rôle James Bond? Ou t'es gagné un petit problème avec l'accent britannique peut-être? Question ça a été pour nous dépourvu et il était comme à ses réponses liées à un gros éclairé. Bueno, es que en ese tiempo era muy joven. Et ahora son muy viejo. Fíjate que Tony dit là, c'est parce que dans l'époque ça, moi j'étais jeune appuyé, les cunia moi prend l'âge. Ça comique dans question ça, c'est que pendant moi j'étais dans dernière année d'études en Angleterre, il y a un américain qui était perdu dans capitale là, t'es venu demander moins information et le moins t'es fini bah l'information, il t'a dit "Na qui côté où sorti dans Angleterre." Alors ça moi t'ai profité de moment ça pour me parler de ça qui t'est passé ici à Washington entre point même actrice principale fantôme de l'opéra qui est en britannique d'ailleurs. Moi expliquer Tony que même Jean avec lui actrice ça te dit moi connais où sorti en Angleterre moi pas qu'à placer où exactement non ville c'est alors que me te répond gagne une raison pour ça madame c'est parce que moi remet imiter avec ça monde et Tony Plana pas de perdre du temps pour qualifier de imposteur. Entendez qui Jean ça t'est passé. I know that you are from England. I cannot exactly place you in a city. Yo contesté, es porque señora, I am an imitator. I'm not exactly. Right. I'm an imposter. Quel que soit succès acteur qui gagne go renommé ou remporté dans le cinéma, succès à Chita sous première production qui t'a ouvert porte là pour quitter au passé, entrer dans le plateau tournage là pour la première fois. Dans le cas pas Tony Plana, c'était un officier et un gentleman qui t'a mis le bab pour bab à Richard Gere. Yon coquin célébrité dans l'époque là. An quitte Tony expliquer circonstances qui t'a débouché sous coquin opportunité ça. Mira, lo interesante de esa película es que me ocurrió esa oportunidad después de ir a Nueva York y audicionar para una obra musical y no conseguirla. Entonces, como estaba como deprimido, ¿no? Ah, como duele. Como eso duele. Y me llevó. O sea, que interesa en la casa, sé que me tuve una oportunidad para filmar, pues me tuve un sorti New York, a côté de hacer audición para una comedia musical, y me fue a traer en el Maestaki, donc me tuve sentí deprimido, parce que ça te fait mal. Me tuve retourné en avión, y le son me tuve aprendre de ça, c'est que une semaine après de faire ça, me tuve entré dans une salle, me tuve entré dans une salle, et me tuve rencontré avec le producteur Taylor Hatford, me tuve parlé avec lui sur le projet ça, après tuve une invité, retourner pour faire chita parler avec lui et puis avec acteur Richard Gere. Bagayo était bien passé et c'est le ça, il est devenu invité dans le premier gros film dans la carrière moi en parlant de An Officer and a Gentleman et ce film ça qui était lancé me placé sur scène dans Hollywood et ça t'est venu ouvrir un paquet de portes pour moi. Moi pas caché de ça, expérience ça a venu changer équation net pour moi parce que avant ça chaque fois moi t'as fait audition, moi j'étais conduit si un sous ça mais après ça chaque fois moi aller l'autre bois, chaque fois ouais moi il dit ouvre le café. Ouvre les chita là, mais c'est un pile d'escovini. You are the most exciting, frustrating woman I have ever met. I never thought I'd feel this way again. N'a pas rappelé que l'acteur Tony Plana qui était passé ouais nous dans la Voix d'Amérique avant, il a honoré une invitation dans la Maison Blanche, il a remporté un trophée pour lui comme Ignacio Sanchez ou Papa Ugly Betty en 2006. N'a pas retourné avec plus toujours, une prochaine fois, sur acteur américain d'origine cubaine Tony Plana sous la Voix d'Amérique. Pour une page de la vie aux États-Unis, moi c'est Sergio Rodriguez. Nous allons passer comme nous Jean-Aubert Philippe pour dossier sur santé publique là qui c'est santé aux nations, richesse aux nations. Ça fait longtemps depuis que question à poser pour connaître qui j'ai un monde qui est avec, fait tant de petits biens, parce que c'est monde qui pas avec. Résultat recherche au joindre sur question ça, capable de gagner une implication dans le traitement monde qui a un problème pour tendre.
Patrick Canol, c'est un expert dans le domaine études sous qui Jean sert votre travail avec son. Et c'est un spécialiste qui t'a préparé une nouvelle étude ça. Patrick Canol fait remarquer que le cerveau est un petit monde malé à basser pour rebobiner quelques circuits qui analysent l'information sensorielle. And we were interested in seeing if at older ages we can also coax the brain to change. Nous sommes intéressés pour connaître si les gens avancés dans l'âge sont capables de faire changement dans le cerveau. Pour vérifier l'information, biologiste université Maryland là avec collègue Lee dans John Hopkins University, t'a utilisé une technique réversible stimulation qui visait kembe suite qui ouais et qui tendait dans un fait noir total pendant une semaine pour faire comprendre que yo avec. So we want to know if deprivations of vision. Non, tu veux connaître est-ce que sinon empêcher suite yo ouais bien la parfaite façon yo tendait. Dans fin semaine, nan, chercheur yo te transféré sous étude dans une chambre spéciale côté yo te commencé tande yon seule note musique sans prendre souffle pour tester les oreilles yo donc si yo te capable tande bien. Chercheur ensuite mesure réponse neurologique sous étude. Résultat était fantastique d'après professeur Patrick Canol. Yes, it surprised us because during this age if you would alter the oui, nous t'es surprenant. Puis, résultat t'es surprenant. Nous, à cause pendant l'âge adulte, si nous capables d'arriver, modifier, non, recherche système temps de yon souris, et puis faire façon le temps de a, eh ben, lui-même, il est capable de pas changer. Mais, découvrir si on empêche yo, ouais, façon le temps de a capable de changer, c'est un gros bail pour nous. Souris, yo développé plus connexion neurologique et capable de faire une différence entre un son brut avec un son qui pas fort en pile. Engouche, par animals that were raised normally. But could be distinguished by animals that were sitting in the dark. Animal qui grandi normal yo pas capable d'entendre son sa yo alors que animal qui était vivant dans fait noir était capable distinguer son sa yo. Donc il était plus bon en distinguer fréquence son yo. Quand on dit pendant que souris qui tendait bien yo retourner dans vie normale yo quelques semaines après, eh bien étude ça qui publié dans le journal Neuron démontrait que cerveau du dieu capable bobiner moins contrairement avec sa chercheur était quoi. Le fait que nous faisons souris avec provisoirement, quand on le dit, c'est capable possible pour nous changer le circuit cerveau pour gérer son yo pi bien. Ensuite, prochain étape la konya, chercher yo, c'est pas pour le travail pour faire changement qui permettent souris yo tendre à durer plus longtemps. D'après Canol, résultat yo joint dans étude là capable aider dans traiter monde qui a un problème pour tendre. Résultat capable porter espoir pour environ 360 millions de monde qui a un problème tendre. C'était Santé une nation, Richesse une nation. Nous sommes bon côté nous parler de maladies qui ont traversé le monde, malgré le progrès qui fait dans le domaine scientifique là. Moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci beaucoup Jean-Robert Philippe, toujours sur la Voix de l'Amérique. Et c'est la dernière édition pour aujourd'hui, mardi 11 février 2014. À Kounia, nouvelle souveraineté avec Marie-Lise Pierre. Mes amis, bonsoir. Actrice Shirley Temple Black, star cinéma Hollywood, année 30 ans, et qui était venu diplomate américain, mourit hier soir, il était gain 85 ans. Shirley Temple a commencé à danser et jouer dans le commencement années 30. Il était déjà célèbre, il avait 6 ans. Il était joué dans 40 films. Dans années 74, il était viré dans la diplomatie. Président Gerald Ford était nommé ambassadrice dans Ghana et après 2 ans, il devient chef protocole. Dans l'année 1989, président George Bush père lui offrit le poste ambassadrice Prague. C'était un poste sensible en Europe de l'Est. Shirley Temple mourit, il était gagné 85 ans. De l'autre côté, c'est comme ça tout, actrice Julia Roberts, en deuil. Il a perdu une demi-sœur qui s'appelait Nancy Motes. D'après porte-parole médecin légiste, Nancy mourit dimanche soir dans un cas qui n'est pas Kylie, bien sûr. Il a été joint avec Nancy dans une baignoire chargée à l'eau. Bon côté, il a été joint une prescription médicaments avec une lettre suicide. Il y a un paquet de rumeurs qui ont circulé qui fait qu'on est dans la cérémonie Oscar Anissa, acteur Leonardo DiCaprio, pour le prix comme meilleur acteur pour Wall qui était joué dans le film Le Loup de Wall Street. D'après Nouvelle, c'est un reportage qui a passé sur réseau télévision par câble CNN et puis il a découvert le processus qui, Jean, il a fait statuette, il a présenté par acteur et puis l'auditeur est tombé sur une grosse surprise, caméra à zoom sur une plaque bien dorée. Côté Utekali, Academy Award to Leonardo DiCaprio, meilleur acteur, The Wolf of Wall Street 2013.
mes amis, pas de monde qui connaît ça quoi le passé parce que cérémonie en pas qu'on fait. Pour nous finir, mes amis, yo retiré statue de Sir Justin Bieber qui était exposé dans le musée Madame Tussauds dans New York. En plus, mon pensée, c'est à cause comportement vu d'être là, mais c'est pas ça. C'est à cause de plusieurs millions de fanatiques qui ont fait photo bon côté et statue ça. Donc, yo abîmé œuvre là. Gérant musée a expliqué journal New York Post qui genre c'est décevant, mais yo espéré yo pas capable de remplacer statue très prochainement. Nouvelle yo fait connaître statue Justin Bieber yo fait succès parce que yo déjà remplacé statue l'été gagné dans musée Los Angeles là pour même raison. N'a campé là avec nouvelle souvenette yo mes amis. Rendez-vous yo la fois sous la voix de l'Amérique. Moi c'est Marie-Luce Pierre. La voix de l'Amérique depuis Washington, Kounian, Walmayami, Nouvelle-Jouen, Pierre Nazon-Bolière, qui a présenté une diaspora, côté ministre financier, Wilson Nalo, te font coup de pied, dans le week-end, dans Miami. N'a pas salué toute équipe Washington, tout auditeur, la voix de l'Amérique, tout partout, cap côté, n'a présenté au segment diasporama. C'est samedi 8 février 2014 passé, ministre haïtien commerce et industrie, qui occupait tout poste ministre économie, professeur Wilson Nalo, t'es rencontré avec leader communautaire, sous invitation consul général haïtien dans Miami François Guillaume II. Dans Chita Palisa, professeur Wilson Lalo te fait une présentation côté lui montrer importance aide économique diaspora gagné pour Haïti. Mais lui expliquer tout comment l'argent ça a plus passé dans consommation. D'après ministre Lalo, l'argent ça yo que moun diaspora travaille dit en pile pour voyer bay famille plus à aider économie l'autre pays. Qu'elle aide l'économie haïtienne. Qui sa gouvernement haïtien ka fait pour l'agent haïtien de yo a voyé by famille en dedans paysan ka aider l'économie haïtienne. C'est question ça à Claude encore nous pral poser invité nous jodi a en parlant de ministre commerce et industrie haïtien professeur Wilson Lalo ak plusieurs leaders communautaires yo. Ministre Lalo, merci d'être répondre invitation nous et bienvenue sur antenne la voix de l'Amérique. Merci beaucoup, et m'a profité vraiment pour me saluer vous et saluer toute équipe créole, Voix d'Amérique, qui quand même bien une grosse influence sur Haïti et dans le bio information sur ce qui passe dans le monde et surtout dans l'analyse qui est faite sur ce qui passe dans le pays. Hein. Et m'a profité de saluer tout auditeur, ça et tout. C'est un véritable honneur pour moi que je participe avec vous dans l'émission. Professeur Wilson Lalo, ou avec nous dans Miami là, pour qui ça qui est objectif voyage. Bon, et vous connaissez, moi c'est sur le chemin du retour parce que la connexion aussi avec. Miami, qui est rentré sur Haïti. Moi, j'ai envisagé d'être un jour, en fait, deux jours, Miami, pour deux raisons. Déjà, pour me faire une famille, mais c'est aussi pour me faire parler avec la communauté par rapport à ça, nous croyons qu'il y a des informations importantes à partager avec eux et qui pas forcément dans le format et avec qualité requise là. Et qui fait que souvent, nous ne connaissons pas qui ça pour faire, nous ne connaissons pas qui est dans le pays. Là. Donc, nous devons passer pour nous partager l'information avec eux. Et dans mon cas, nous avons une très belle rencontre qui était organisée par le consulat d'Haïti en Floride, à Miami. Donc, nous avons rencontré un pile de leaders communautaires et nous avons vraiment partagé avec eux ça qui gagne comme information importante. Et puis, eux même tout qui gagne des préoccupations par rapport à des institutions telles que la douane ou d'autres problèmes pour une faire investissement en Haïti. Donc, nous devons partager l'information avec eux. Pendant la rencontre avec la communauté, nous avons eu une pile de questions que tu as débattu et surtout élaboré. Plan politique gouvernement haïtien gain sur toute question économie et qui ça qui intéresse nous que fait ministre à parler à diaspora. Bon, plusieurs bagages. Premièrement, c'est que diaspora c'est lui-même qui véritable moteur économie pays d'Haïti là depuis on dit 25 ans parce qu'on connaît que grand bande de décisions que nous prend en matière économique qui vraiment désorganiser, déstructurer pays en termes de capacité pour le produit bien à servir. Donc pays avait presque à vivre de la charité. Et moun ki ap viv à l'étranger, yo ap voye des transferts en Haïti et qui monte en chiffre officiel à 1,8 milliard de dollars, mais nous pensons que les plus avec des moun qui pote des comptes dans poche, etc. En tout état de cause, c'est quand même diaspora qui kembe pays en termes de capacité pour acheter bien, mais bien que la capacité, c'est pas des biens qui produisent dans le pays. Pour l'essentiel, c'est des biens qui importés des États-Unis. Et ça, lui-même comme conséquence, c'est que diaspora oblige à appuyer comme tout le temps. Sans le power que, la a fini au foie. Sans le power que Mounio l'a voyé comme Bayoua, il a prêté sur charge, on le. Et nous connaissons bien que ça, c'est
une manière de faire qui est intéressante pour moi de recevoir comme là, même la recevoir sur le court terme, mais à moyen et long terme, il y a un risque que le monde ne soit pas capable comme encore parce que nous devons le faire. Et puis, si nous ne sommes pas capables de faire même devant ça avec Haïti. Donc, il faut que nous commençons à penser, organiser